Bonjour à tous, bienvenue dans Transition Urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Merci de nous rejoindre aujourd'hui en direct, comme toujours sur Facebook, la semaine prochaine aussi sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Donc là, on va, avant de commencer par Mine in Situ, je voudrais revenir un peu sur le Transition Urbaine de la semaine dernière. Comme vous avez pu le voir, je l'ai fait en direct de Vertolaille, qui est dans le Puy-de-Dôme. D'ailleurs, je salue tous les amis de Carton Plein. En fait, on a eu des petits problèmes techniques qui fait que la première pastille avec la maison des initiatives à Troyes, il y a eu des petits problèmes d'ajustement sonore. Et il y a eu aussi des petits couacs dans notre grand angle avec Marie-Laure Cuvelier, la secrétaire générale de France Tiers-Lieux. Donc, on va retravailler au moins sur la deuxième pastille. Et on va bientôt la mettre sur Facebook pour que vous puissiez la regarder de manière posée et tranquille, parce que c'était vraiment une super interview qui permet de balayer l'angle des tiers-lieux et c'est vraiment super important. Maintenant que j'ai dit ça, on va revenir dans le concret de notre émission du jour avec notre première partie Mine in Situ. Voilà, et donc au final, aujourd'hui, Mine in Situ, comme vous le savez, c'est à travers des partenaires ou des actions, revenir sur l'actualité de la ressourcerie. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Gérard et Marion, qui sont là. Bonjour. Bonjour. Parce que au niveau de la mine, des fois, nous faisons des initiatives avec les entreprises pour justement sensibiliser sur notre projet. Et également pouvoir échanger avec des partenaires ou des personnes issues du monde de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler avec Gérard et Marion de la journée Purpose Day. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Purpose Day? Gérard ou Marion, je vous en prie. Donc la journée Purpose Day, c'est une journée qui a été créée au sein de notre société, un laboratoire pharmaceutique Sanofi, pour donner l'occasion à tous les salariés de vraiment vivre dans leur quotidien et par le travail aussi, de vivre notre mission de laboratoire qui est d'apporter, d'offrir plus de santé et plus de vie aux Français et dans le monde. Et du coup, là, c'est un exemple très très concret de comment nous, dans notre travail, on peut aussi aider et participer pour avoir une meilleure société. Donc voilà, c'est un programme qui, je pense, est mondial, qui est inhérent un peu à toutes les filiales de votre groupe. Oui, alors là, je ne suis pas sûr, mais a priori, oui, hein, ce Purpose D'accord. Day, ça révèle en fait des activités locales. Et là, d'autant plus que nous sommes situés à Gentilly, donc pas très loin C'est ça? d'Arcueil. Donc moi-même, je ne connaissais pas l'existence de ce site, donc j'ai pu découvrir ça cet après-midi de manière très efficace avec vous, Ok. les explications de toutes les activités. Bah, justement, moi, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre journée au sein de la mine? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, au début, la première activité pour moi, c'était décharger les camions, D'accord. à la fois les meubles, les caisses, dans le dépôt. Je pense que ça s'appelle Oui. comme ça, c'est le dépôt. Donc, c'est l'arrivée du matériel en vue d'être trié, Ouais. réparé, déstocké. Ensuite, nettoyage de la vitrine, parce qu'en bas, vous avez une petite vitrine C'est ça. qui permet d'attirer les gens, de montrer Tout à l'activité. Et puis, fait. on l'a nettoyée, elle était un petit peu poussiéreuse, donc D'accord. on a fait ça, on a briqué avec beaucoup de savon et avec beaucoup de convivialité avec mes Génial, collègues. génial. Voilà, donc on l'a mis tout à neuf. Et toi, Marion, tu étais avec Gérard ou vous étiez dans un groupe différent? Moi, j'étais dans un groupe différent. On était avec l'équipe, on était en train de récupérer les dons et notamment de trier tout ce qui était textile et chaussures, et ensuite on est monté au niveau de l'électronique et on a commencé à tester et pour remettre ensuite en boutique. D'accord. Et moi, la question qui me vient, c'est est-ce que vous, dans votre vie au quotidien, vous êtes impliqué dans des mouvements associatifs ou vous avez profité de cette journée pour pouvoir vous investir? Est-ce que c'est quelque chose, je veux dire, le fait de pouvoir se rendre utile
autrement qu'au niveau de votre activité professionnelle? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important. Moi, je suis surtout attaché, par exemple, au concept de diversité. Oui. J'appartiens à un groupe de travail chez Sanofi sur la diversité au travail. Et D'accord. là, j'ai vu ici qu'effectivement, ce n'est pas simplement une ressourcerie, donc une activité de recyclage. Il y a aussi des activités théâtre, des activités de yoga, j'ai appris Oui, aussi. oui. Donc, ça permet de faire du multi-activité, de brasser beaucoup de gens qui ont un intérêt différent C'est donc ça. à venir dans ce site. Et donc, beaucoup d'interactions entre les gens, moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette démarche. Super. Et toi? Moi, je suis pas, très sensible à la partie environnement, seconde vie, dans notre quotidien et autour de nous. Alors, même si on n'appartient pas à des associations dans une famille, mais autour de nous, on essaie de justement partager cette notion de, voilà, d'éviter d'utiliser du consommable et de pouvoir utiliser ce qui peut le plus possible se réutiliser. Parce que y a énormément de déchets et voilà, il faut limiter au maximum. Et du coup, là, j'étais hyper sensible à ce qui se fait ici, de pouvoir donner une seconde vie aux objets. Voilà, c'est normal, on a envie de consommer, on a envie d'avoir des nouveaux objets, mais quand on a fini d'utiliser les nôtres, bah, faut les libérer et les donner à quelqu'un d'autre, à la personne suivante. Ok. Donc, je ne sais pas, par exemple, à l'issue de cette journée, est-ce que, par exemple, quand vous allez retourner dans votre travail, est-ce que vous avez peut-être imaginé, soit sensibiliser vos collègues ou initier des pratiques qui vont dans le sens de ce que vous avez vu, ou est-ce que vous pensez que c'est difficile? Je pense que c'est le but d'une de ces journées, c'est-à-dire sensibiliser, à la fois avoir une expérience personnelle, mais ensuite diffuser aux collègues ce qu'on a vu à l'extérieur. Toujours pareil, hein, le concept d'échange et de ce qui se passe autour de nous. On n'est pas simplement cloisonné, nous, chez Sanofi, dans nos bureaux. Effectivement, on a le quotidien, on a le boulot, mais on a aussi ce qui se passe à côté. Bien Et sûr. c'est très important pour nous. Tu partages aussi. Oui, je suis d'accord. Et en plus, ce qui est super, c'est comme on est voisins, Oui. je pense que c'est important qu'on partage aussi le fait que vous faites vivre la commune avec des activités, Bien même sûr. avec l'espace restauration, et on peut tous y participer aussi. C'est ça. Moi, c'est important aussi pour que les internautes puissent un peu percevoir la mission qu'on se donne en termes de sensibilisation, d'une manière générale, à ce volet environnemental, mais aussi au volet social, parce que bah déjà, c'est notre mission de pouvoir faire ce qu'on est en train de faire maintenant, mais d'une certaine manière, c'est aussi de montrer qu'on est dans une dynamique où on essaye de sensibiliser tous les publics. Et le monde de l'entreprise, c'est un monde où justement il y a une grande partie des forces actives même du pays d'une certaine manière, et que il faut qu'il y ait plus de rapprochement entre le tissu associatif, ou en tout cas les forces vives citoyennes qui s'impliquent sur un territoire, et les entreprises qui ont déjà des personnes qui habitent aussi sur le territoire d'une part ou ailleurs, mais aussi les moyens, des résonances pour pouvoir amplifier le message. Parce que je fais aussi part de ça, c'est un débat si vous voulez rajouter en commentaire et réagir dessus. C'est vrai que des fois il y a des oppositions en disant que des entreprises viennent soutenir des associations et qu'il peut avoir une sorte de greenwashing et tout, etc. Peut-être. Mais en tout cas, moi là, je témoigne de votre présence aussi aujourd'hui et dire que vous étiez vraiment impliqué. Il y a Saïda, notre encadrante technique, qui a salué le fait que vous avez travaillé avec beaucoup de sérieux et que vous avez mis quand même du cœur à l'ouvrage. Donc c'est cool. Quand il y a des trucs qui sont cool, faut le dire. Je dirais que c'est le Ouais. témoignage d'une politique générale, en particulier de grands groupes comme Sanofi, de politique de RSE, hein, Oui. de responsabilité sociale Des entreprises. sociétale de Oui. l'entreprise, d'agir autour d'elle à tous les niveaux, justement dans son environnement, puisqu'on n'est pas cloisonné, il y a un contexte, il y a des gens, on a une activité sur le territoire, il faut impliquer aussi les gens qui sont autour de nous. Ça nous fait impliquer dans d'autres associations, l'association Télémac par exemple, qui permet d'aider les jeunes à accéder à un niveau d'éducation. Isabelle Corbacho aussi, qui est très dynamique chez nous. Patricia. Patricia, pardon, c'est Ouais. Patricia. À qui on passe le bonjour d'ailleurs. Bonjour Patricia, que je connais aussi, avec qui j'ai déjà un peu travaillé et qui est très dynamique sur ces
ces activités. Ok. Et je trouve que c'est un signal fort aussi de permettre aux employés, sur leur temps de travail, et de dédier un moment comme ça plusieurs fois par an, pour nous permettre, d'être, vraiment impliqués. Je trouve que ça démontre vraiment d'un intérêt. Voilà, nous, en tout cas, au niveau là, de la ressourcerie, on valorise les partenariats locaux. Comme vous l'avez dit, on n'est même pas à 500 mètres de vos bureaux. Et puis, bah, voilà, j'en profite pour vous remercier encore pas publiquement sur le net de votre investissement. Et puis, n'hésitez pas à revenir et à justement, à travers vos collègues, de partager les valeurs qui sont les nôtres. Autour voilà, du réemploi et de la gestion, une bonne gestion des déchets et de l'environnement. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de Et m'avoir permis de puis participer. voilà, c'est ça. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci, au Merci, au revoir. revoir. Donc, excusez-moi, transition urbaine, c'est reparti pour la deuxième partie. Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons une part 2 de Mines in situ parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités au sein de la mine qu'on privilégie, bien sûr. Donc, je voulais déjà vous parler de deux choses. Donc, la première, je voulais revenir sur la réunion qui s'est passée samedi dernier. Qui était une réunion, un séminaire à l'attention des bénévoles, parce que, encore une fois, comme vous savez, à la mine, nous avons une grosse vie associative qu'il faut structurer. Donc, Martine, la coordinatrice bénévole, malheureusement, n'a pas pu être là aujourd'hui pour m'assister, donc je m'en fais ce relais. En même temps, je lui passe un bonjour. Donc, samedi dernier, il y a eu à peu près 25 bénévoles qui sont venus dans le cadre de. Dans le contexte sanitaire que nous vivons, c'est vraiment une belle participation. Et en fait, nous avons défini les différents champs d'intervention des bénévoles. Ça peut paraître anodin, mais c'est aussi important pour nous de parler de l'action bénévole au sein de la mine, parce que c'est pour cela qu'on a monté en fait ce projet. C'est pour justement donner du pouvoir d'agir aux citoyennes et aux citoyens. Et voilà, un outil pour pouvoir développer des projets et s'investir dans l'espace public. Donc en fait, la réunion s'est très bien passée. On a revu un peu la fonction de la coordinatrice bénévole. Donc la coordinatrice bénévole, c'est une bénévole de la mine qui est là pour faire le relais d'information entre le conseil d'administration, entre l'équipe salariée et entre les bénévoles. C'est vraiment un rôle central pour faire circuler les informations, pour faire remonter aussi les souhaits des bénévoles et justement faire redescendre aussi les initiatives qui sont mis en place par les salariés ou bien le conseil d'administration. Donc on a rappelé en fait ce rôle pivot très important. Après, par la suite, on a défini les différents champs d'action, donc tout ce qui est l'aide administrative, le soutien à la boutique, le soutien à la cafétéria, l'aide aux événements ponctuels et occasionnels. On a parlé de ça. Il y a eu aussi un temps d'échange avec les bénévoles qui étaient là, un peu sur le fonctionnement, sur les horaires, sur le fait qu'il faudrait peut-être améliorer des choses au niveau de la boutique, ou bien sur la collecte, ou être plus procédurier sur certaines choses, ou alors être plus perméable sur d'autres. Bref, c'était vraiment très, très intéressant. Là, je vous fais un petit peu un teaser parce qu'on va organiser une émission spéciale avec le conseil d'administration, un peu pour revenir
sur tous ces champs. On a également parlé du temps d'implication, parce que c'est vrai que dans le mouvement bénévole, et ça c'est quelque chose qu'il faut dire, par moment, on est happé et on compte plus ses heures et on est un peu dans une sorte de cercle infernal où on s'engage à faire des choses qu'on peut pas tenir parce que par ailleurs on a nos vies. Nous, on essaye un peu de cadrer le temps d'intervention bénévole pour justement que les personnes puissent avoir du temps pour développer leurs activités à elles. On a également parlé un peu du planning annuel avec les différents ateliers, les différents temps d'activité de la mine. Et enfin, on a parlé un peu du volet médiation, parce que dans toutes les structures, des fois, il y a des querelles, il y a des embrouilles ou des quiproquos. Et en fait, on a une instance de régulation avec les membres du conseil d'administration, les bénévoles et des salariés. Voilà, en fait, c'est pour vous parler aussi du fonctionnement de notre structure. D'ailleurs, si il y en a parmi vous qui souhaitent être bénévoles, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à nous envoyer un message, soit sur les réseaux sociaux, soit sur l'adresse contact@ressourcerie-la-mine.com pour que justement on puisse vous accueillir. Et à ce propos, d'ailleurs, et ça on le rappellera aussi dans les pépites de la mine, mardi prochain, qui est le premier mardi du mois, à 19 h, il y a la réunion d'accueil des nouveaux adhérents et des nouveaux bénévoles à la mine pour parler un petit peu de l'actualité. Et à la fin, il y aura le traditionnel pot de l'amitié. Donc voilà pour la première partie. Et la deuxième partie aussi, c'est un petit teaser, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais c'est le projet associatif 2020-2025. Donc pour toutes celles et ceux qui ont suivi l'action de la ressourcerie, les 3 premières années, ça a été vraiment la construction du projet, l'appropriation de l'espace, le développement de nos activités et des investissements continuels pour faire de ce lieu un lieu agréable et chaleureux. C'était aussi le moment de pouvoir constituer une équipe de salariés, constituer aussi l'équipe bénévole, commencer à rentrer dans le détail des postes. Donc ce temps nous a été précieux, il a été enrichissant, il a été éprouvant. Et maintenant que nous avons un peu passé ce cap des 3 ans, d'ailleurs le 1er décembre 2020, nous allons fêter notre 4e année d'existence déjà. Et donc, nous avons travaillé avec le conseil d'administration sur quelle était notre vision pour les 5 prochaines années. Ça, c'est un élément qui est très important parce que, justement, que ce soit pour l'équipe salariée, pour les bénévoles ou pour les adhérents, simplement les sympathisants, c'est toujours important de pouvoir travailler sur une vision, amener les gens vers un but, qu'on ait un cap, justement pour pouvoir mettre en place une série d'actions qui rentreraient en cohérence avec ce que nous avons défini tous ensemble. Donc moi, de ce que je peux vous dire déjà, c'est que dans le cadre de ce projet associatif qui est là en partie, et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce document parce qu'on va, comme je l'ai dit, faire une émission spéciale dessus, on s'est donné en fait 3 axes d'intervention pour réussir notre projet de développement au sein de la mine. Donc le premier axe, c'est nous adapter, nous transformer, nous ouvrir et transmettre. C'est très important parce que, encore une fois, après le travail de démarrage que nous avons fait, on peut être tenté de se mettre dans un ronronnement d'activité, de se mettre en vase clos, alors que la mission d'un lieu de ce type, d'un tiers-lieu, c'est justement d'être ouvert aux autres et d'être un peu un espace des possibles où les citoyens peuvent s'émanciper à travers leur réalisation. C'est vraiment la conviction profonde que nous avons. Donc c'est pour ça que nous avons mis en axe numéro 1 ce que je viens de vous dire. Précédemment. En axe numéro 2, nous avons accompagné l'autonomie,
le développement et la professionnalisation de nos équipes. Ça, encore une fois, pour celles et ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que nous sommes un atelier chantier d'insertion. Nous avons une vocation à remettre des publics dans l'emploi. Et en fait, nous, ce qu'on souhaite, comme tous les ateliers chantiers d'insertion, c'est vraiment être très pédagogue, être très aussi précis. Sur les outils, sur la manière de faire, pour justement créer des automatismes qui font que les personnes que nous accompagnons puissent intégrer une autre structure dans les meilleures conditions possibles. Donc du coup, on est en train de développer avec des partenaires pluridisciplinaires, en fait, tout un tas d'outils que nous sommes déjà en train de mettre en place, mais que là, nous sommes en train d'affiner. Voilà. Au niveau de la mine, justement pour permettre de travailler de manière plus efficace. Donc ça, et je voudrais rajouter aussi, bien évidemment, que ce travail de professionnalisation s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire. Ça, c'est vraiment très important, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de la structure et qui est un peu le fil rouge. C'est vraiment ce travail en fonction éducation populaire, l'éducation tout au long de la vie et que tout le monde peut être apprenant et tout le monde peut apprendre. C'est un petit peu ça. Et le troisième axe, qui est aussi important, c'est agir pour la transformation de la société. Ce que je vous expliquais en fait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas dans un vase clos. On n'est pas en vase clos, on est vraiment dans un projet en fait de société et la démarche que nous portons, nous souhaitons la diffuser la plus largement possible parce qu'encore une fois, on est conscient que le paradigme, si je me permets de dire ce mot, dans lequel nous sommes de la société de consommation capitalistique arrive à bout de souffle pour tout un tas de raisons, pour la perte de sens pour justement le creusement des inégalités qu'il procure, et sans être bien sûr moralisateur, c'est de se dire qu'il y a un certain nombre de gens qui souhaiteraient vivre dans une société plus juste et plus respectueuse, sans rentrer dans tous les anathèmes. Vraiment, ces deux valeurs, on respecte les gens et on fait quelque chose de juste, et pour cela, il y a différentes actions qui sont menées. Nous, on en mène une, en complémentarité de toutes celles qui sont faites actuellement. Et nous, ce que nous souhaiterions, c'est de pouvoir en parler plus largement aux citoyens pour qu'ils nous rejoignent d'une part, mais aussi au niveau des institutions, des collectivités qui, eux, ont clairement le pouvoir de faire changer les choses, parce que c'est eux qui peuvent, à travers les différentes politiques publiques qu'ils mènent, influer sur nos pratiques. Donc tout au long des émissions de transition urbaine, ne soyez pas étonnés si on essaye et si on a à l'antenne des responsables politiques ou des agents qui travaillent dans des collectivités, parce que justement notre travail, notre mise en œuvre, c'est d'agir pour la transformation de la société. Donc nous utiliserons ce média justement pour faire valoir un peu les idées que nous portons au sein de la mine et que nous souhaiterions voir se populariser ou en tout cas être justement par l'intermédiaire d'Internet déployé le plus largement possible. Donc n'hésitez pas à nous aider à relayer l'information. Donc je ne vais pas être plus long sur ça, parce que après, derrière, concrètement, on a développé 14 mesures pour pouvoir les mettre en place et tout un plan d'action très précis pour pouvoir arriver aux différents objectifs que je vous ai dit. Mais je pense que ce serait mieux de rentrer dans le détail avec les membres du conseil d'administration. Donc, du coup, voilà, c'est la fin de Mine Situ numéro deuxième partie. Et là, tout de suite, on va embrayer sur le grand angle. À tout de suite.
esquece sem enfrentar. Curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. Porque é incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber. C'est toi qui commence l'interview. Hein. Tu lui parles. Moi, je t'introduis juste. Transition urbaine, troisième partie. Donc, Transition urbaine, l'émission qui parle de notre projet des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, c'est le grand angle. Mais avant qu'on commence à parler avec notre invité qui est présent, je voulais d'abord introduire une nouvelle venue au sein de Transition Urbaine, donc Morgane. Salut. Bonjour. Voilà. Donc Morgane, on n'est pas séparé. C'est bon là ? Ok, cool. Donc Morgane, qui va être une chroniqueuse occasionnelle ou permanente, nous ne le savons pas encore, mais en tout cas, c'est notre nouvelle collègue. Donc, elle vient de prendre poste là, maintenant. Donc, Morgane sera donc la coordinatrice. Elle va travailler, en fait, avec les différents encadrants techniques et travailler à ce que tout soit fluide. Et elle sera aussi sur la partie développement du tiers-lieu. Donc, ça va, Morgane ? Oui, ça va, merci Régis. Cool. Là, je t'ai directement mis baptême du feu dans le bain, ça y est, plouf. Merci. Voilà. Donc, du coup, c'est toi qui va animer cette partie grand angle où vas-y, tu nous parles de l'invité. Ça marche. Oui, merci beaucoup. Bah, je suis ravie d'être là pour la première fois et puis ravie d'intégrer la mine. Ouais. Super projet. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on a avec nous Aurélien. Aurélien que j'ai rencontré à travers le collectif A plus c'est mieux, ouais. Dont il va nous parler. Et ouais. Il va surtout nous parler d'un projet de tiers-lieu qui porte depuis plusieurs années. C'est ça. Et qui vient de voir le jour, qui s'appelle La Trezo. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ça va ? Tu vas bien Aurélien ? Tu nous entends ? Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend bien, ouais, nickel. Super. Nickel. Donc là, je sais pas si t'as entendu, la question de Morgane. Ah, il y a une question. Ouais. Alors, je vais formuler une question. Aurélien, ouais. Comment tu t'as atterri dans cet écosystème des tiers-lieux ? Pourquoi la Trezo ? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Il faut faire court, je pense. Moi, prends ton temps, hein, si tu veux. Hein. Vas-y, parle. Je vais faire quoi ? En gros, moi, je viens du monde de l'économie sociale et solidaire. J'ai commencé ma vie professionnelle dans une structure qui s'appelle France Active, et j'accompagnais des entrepreneurs et des structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, dans leur création et leur développement. Et je faisais donc de l'accompagnement. Et de plus en plus, j'avais un peu cette problématique de faire un accompagnement très descendant. Et je trouvais intéressant l'idée des communautés de travail et de vie qui pouvaient aussi faire beaucoup d'accompagnement de pair à pair. Et je suis rentré dans le monde des tiers-lieux en portant un projet de tiers-lieux qui s'appelle Kazako, qui est à Malakoff, avec cette idée de pouvoir créer une communauté de travail qui soit solidaire et qui permette l'autonomie sous plein d'angles. Et de ce lieu, donc à Malakoff, de 460 mètres carrés, qui est un lieu de travail avec à peu près 66 associés et à peu près 110 membres,
de ce lieu-là est parti beaucoup de projets, dont des projets de tiers-lieux, comme celui de la Trésor, qu'on a pu en effet ouvrir il y a 3 semaines. Alors, la Trésor, on a vu, il y a un bel article qui est sorti dans Le Parisien, et puis l'événement d'ouverture, c'était un vrai succès, il y avait plein de monde, il y avait une bonne ambiance. Bravo encore pour ça. Le titre du Parisien, c'était La Trésor entre artisanat et restauration. Tu peux développer un petit peu tout ça? Mais avec plaisir. entre restauration et artisanat. En fait, dans les tiers-lieux en général, donc là, on est d'accord, hein, Casaco, c'est un tiers-lieu, communauté de travail, plutôt sur des personnes qui sont sur des métiers tertiaires. La Trésor, on est plutôt parti de l'idée que sur la ville, il manquait d'un espace pour les artisans et qu'on voulait valoriser la matière, les savoirs manuels et revaloriser vraiment ces métiers-là en invitant tous les habitants, les enfants, les débutants, les experts, les professionnels, les passionnés de bricolage, etc., à venir habiter un lieu. Donc un tiers-lieu, et pouvoir en effet y vivre aussi des moments de convivialité. Donc la restauration, c'est déjà de l'artisanat, très concrètement. On fait des ateliers culinaires, mais c'est aussi un moyen de développer un modèle économique aussi pour un tiers-lieu comme le nôtre, puisqu'actuellement, en effet, on a un bon succès de ce restaurant et du bar qui sont un lieu vraiment très convivial, qui amène à rentrer dans d'autres activités comme l'apprentissage culinaire, l'apprentissage du bricolage, de la couture, de l'encadrement, de la dorée. Enfin, on a énormément d'artisans en résidence qui ont des pratiques qu'ils enseignent. Et ça nous permet aussi de mettre en œuvre un projet coopératif où on essaie d'intégrer les personnes qui veulent co-construire ce projet avec nous. Tu sais, je vais me permettre de te poser une question. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le modèle économique? Parce que tu disais dans ta présentation que oui, vous avez un modèle économique à mettre en place pour faire fonctionner le tiers-lieu. Est-ce que tu peux revenir sur le modèle économique, s'il te plaît? C'est pour toi individuellement ou pour le public? Non, c'est pour le public. De toute manière, on est là, tu sais, c'est la destination aussi de futurs porteurs de projets. C'est toujours intéressant de faire le point sur ça. Après, je ne te demande pas les volumes financiers, mais les différents groupes, tu vois. Ouais. Bah, écoute, autant à Casaco, on était vraiment à 100% sur de la location d'espace. Et du service aux membres. Et on est je dirais à peu près à la moitié sur un modèle restaurant-bar et l'autre moitié sur des ateliers et sur des locations machines et espaces pour les artisans. Donc avec un équilibre. Pour moi, les tiers-lieux, c'est aussi ça. C'est si on veut créer des lieux de mixité de public, il faut aussi de la mixité d'activité. Et dans des petits lieux comme les nôtres, parce que mine de rien, on a beaucoup d'activités pour des surfaces qui sont quand même réduites par rapport à toutes les activités qu'on mène. Il faut en effet avoir un modèle économique qui tient la route. Donc voilà, on est 100% chiffre d'affaires et avec un peu de subvention sur du FSE, sur la formation artisan du numérique. Et quelques pistes que vous connaissez certainement aussi sur Pôle emploi qui s'intéresse pas mal en effet à ce qu'on fait et sur le Fab Lab avec les protections solidaires qu'on a aussi pas mal fait comme vous à la mine sur les masques et les visières avant d'ouvrir. D'ailleurs, c'était marrant, on a utilisé le lieu quand il était en finalisation de chantier pour pouvoir produire ces protections. Et donc, c'était une forme de démonstration de ce qu'on pouvait y faire concrètement dans cet espace. Tu as une question? Oui, ça vient d'ouvrir, mais j'imagine que ça n'a pas mis 6 mois pour monter tout ça. Tu peux nous raconter un petit peu le parcours du combattant? Ouais, c'est tout projet ambitieux, en effet, sur une ville, ça met du temps à se mettre en œuvre, hein, que ça soit un tiers-lieu ou autre. Et pour le coup, la difficulté, en effet, de
c'est d'avoir d'identifier déjà un espace qui corresponde. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. L'enjeu qu'on a dans nos modes de coopération, c'est aussi de faire un lien entre la puissance publique et un collectif de citoyens qui veut protéger une ressource commune, donc un commun, une communauté qui veut protéger une ressource. Et pour le coup, il faut déjà être en phase avec la collectivité, identifier en effet un local, et après mettre en œuvre un ensemble de chantiers participatifs pour penser le projet collectivement, penser les usages, trouver l'équipe qui va tenir le projet, et constamment impliquer en effet sur une dynamique de coopération. Donc nous, on a commencé le projet il y a à peu près 4 ans, avec la ressource quand même d'un espace comme Casaco qui permet aussi l'échange, la rencontre et le fait de faire des réunions et donc pas mal de moments participatifs pour amorcer d'autres projets sur le territoire, ce qui est un peu notre QG pour développer plein de projets. Et depuis 4 ans, donc on travaille avec la municipalité qui est propriétaire du bâtiment pour qu'elle fasse une grosse rénovation de ce beau bâtiment 1933. Donc on a mis du temps aussi à faciliter ce financement-là qui vient de différentes collectivités. Et nous-mêmes, on a créé une coopérative pour aller chercher des financements auprès de la région Île-de-France principalement et de financeurs solidaires pour pouvoir financer la rénovation intérieure et les aménagements. Et tout ça, ça a pris un peu de temps aussi. Il y a eu le Covid et forcément, le confinement ne nous a pas aidés. On aurait dû inaugurer en mars ou en... Ça fait un an et quelques qu'on devait inaugurer. Donc finalement, on est tombé sur septembre 2020 pour lancer officiellement au grand public le tiers-lieu, en sachant qu'un tiers-lieu, c'est un processus, c'est pas forcément un espace physique. Donc en fait, on est tiers-lieu depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis qu'on fait de la coopération et depuis qu'on fait des choses ensemble. Bah, moi, en fait, t'as répondu en partie, mais je voulais quand même mettre l'accent sur les relations que tu as eues avec déjà la ville de Malakoff et après les différentes collectivités territoriales avec lesquelles tu as eu des contacts, parce que c'est vrai que en tant que tiers-lieu, ou quand tu as parlé beaucoup des communs et de la chose publique, faut forcément travailler aussi avec le service public. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ça, nous dire un peu comment ça s'est passé les discussions avec les différentes collectivités? En fait, c'est dans une collectivité, c'est aussi beaucoup des questions de confiance sur avec les services administratifs, avec les élus, etc. Comment tu peux créer aussi des ponts de coopération entre une structure de l'économie sociale et solidaire comme la nôtre. Nous, on est plutôt sur des formats coopératifs. Et une collectivité à proximité. La municipalité de Malakoff a vraiment cette volonté de travailler avec des acteurs comme nous, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas exploiter un tiers-lieu en direct. Ça, c'est là. Maintenant, toutes les collectivités en reviennent des espaces publics de convivialité, de rencontres, etc. C'est les citoyens qui doivent se prendre en main pour mener cette typologie de projet-là. Et donc, ouais, les relations ont parfois été un peu difficile, principalement sur le projet d'aménagement et d'architecture intérieure où on travaillait avec l'architecte de la ville et nous avec un architecte, donc notre architecte de la coopérative. Et donc forcément, ça s'est très bien passé, mais on avait aussi parfois un peu des incompréhensions entre nous, quelque chose qui est assez foufou, où il y a plein de gens, on a plein d'idées, plein de volontés, etc. Et des exigences administratives, légales, très fortes, des normes très fortes, qui sont les normes administratives publiques. Donc, on comprenait aussi tout à fait, hein, il faut comprendre aussi l'univers de l'autre. Et donc, on a marché ensemble, mais c'est sûr qu'on n'est pas sur les mêmes temporalités. Et donc, parfois, ça prend du temps de mener un projet en lien avec une collectivité. Je t'en prie. Ouais, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du collectif À plus c'est mieux et de cette volonté de réunir, de constituer une communauté de communautés finalement en Île-de-France? C'est ça. Ouais, ça part depuis qu'on a créé Casaco. Ça fait depuis 6 ans qu'on réfléchit avec beaucoup d'autres animateurs de tiers-lieux à
à pas s'enfermer entre guillemets, ce qui est un mauvais mot, mais à se dire que on se suffit à nous-mêmes en tant que tiers-lieu. Comment créer un mouvement qui soit plus large que sur notre territoire. Et donc, on avait créé il y a quelques temps un collectif qui s'appelait le Collectif des tiers-lieux, qui devait être financé par la région Île-de-France, par la Caisse des dépôts, etc., mais qui finalement ne l'a pas été. Et donc, on avait lancé ça avec plein de volonté de faire des super choses sur l'Île-de-France pour aussi accompagner la stratégie tiers-lieux de la région Île-de-France. Et comme on n'était pas financé, bah finalement, ça a un peu tombé à l'eau. Et donc, on a mené une nouvelle dynamique qui se base beaucoup plus sur nos propres énergies à nous, les animateurs, les facilitateurs de tiers-lieux, qui est en fait de capitaliser sur notre propre façon de faire pour échanger des pratiques, échanger des bonnes façons de faire. Pour améliorer tout simplement l'expérience que vivent nos communautés dans nos lieux. Et donc, on a organisé ce qu'on appelle les tours des tiers-lieux, où on fait des après-midi, où on échange sur énormément de sujets qui concernent les tiers-lieux entre animateurs et responsables de tiers-lieux. Et là, on fait des apéros de tiers-lieux aussi pour pouvoir en effet se rencontrer et créer une forme de conscience collective. Nous, notre idéal... C'est une forme de méta-communauté de communauté locale qui arrive à s'interconnecter et qui font système entre elles. Et pour ça, en effet, on a besoin de s'interconnecter aussi par les facilitateurs qui sont les représentants d'une certaine façon des communautés. Et donc, le projet A plus, c'est mieux, c'est ça, c'est de trouver les façons pour que les collectifs, le collectif en général, soit beaucoup plus valorisé dans la société et qu'on puisse mettre en œuvre un système global qui valorise les collectifs par les tiers-lieux. Bon, en tout cas, moi, ce que je veux quand même spécifier, et on le dira aussi dans les pépites de la mine un peu plus tard, c'est que ce soir, il y a justement un apéro au bar commun. Oui, tout à fait. Dans le 18e arrondissement. Est-ce que tu as la rue en tête ou pas? On le dira plus tard. Non, c'est métro Marquet des Poissonniers et l'événement est sur la page A plus c'est mieux, okay, sur Facebook si vous voulez la trouver. Ça marche. Alors après, si... Morgane, tu as encore une question à poser. Moi, pour conclure en fait cet échange, déjà franchement, je te remercie. Beaucoup pour cette interview qui est riche, et en plus de ça, c'est cool pour nous parce qu'on est voisins. Donc du coup, c'est clair que à t'entendre, ça nous amène à dire qu'il faut quand même plus de connexion entre nous, tu vois, en termes de structure et en termes même géographiques, la banlieue sud de Paris. Donc ça, après, je pense qu'au fur et à mesure du temps, on arrivera à trouver des ponts bien identifiés pour qu'on fasse des choses ensemble. Mais à part ça, est-ce que tu aurais un conseil, parce que ça c'est quelque chose que je vais demander systématiquement aux fondateurs ou aux cofondateurs de ce type de lieu, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des porteurs de projets ou des gens qui rêvent de monter ce type de structure? Waouh, ça c'est la question. Je sais, juste un, allez, ou deux si tu veux, pas de problème. Non, bah, c'est vrai que comme toi Régis, j'imagine... on rencontre énormément de porteurs de projets et un des premiers conseils qui peut être donné, c'est de rentrer dans l'écosystème, c'est-à-dire on est interconnectés les uns avec les autres et donc on peut facilement en effet on peut facilement échanger ensemble et si vous voulez monter un projet de, parce que le tiers-lieu c'est un autre mot pour dire coopération, si vous voulez monter des projets de coopération, faut déjà en effet rentrer dans un processus soi-même de coopération avec d'autres personnes, donc se mettre en posture de coopération, d'écoute, de curiosité, d'ouverture. Ça c'est mon premier conseil. Et le deuxième conseil que je pourrais peut-être donner, c'est sur le lien en effet entre la puissance publique et l'ESS, de réussir à trouver les bons interlocuteurs dans les collectivités
pouvoir faciliter aussi ce parcours de création d'un projet de tiers-lieu qui est long, qui est souvent assez désespérant. Et donc l'énergie aussi qu'on peut avoir avec d'autres facilitateurs, animateurs, et en même temps une forme de méthodologie pour accrocher la puissance publique, ça me semble être des bons points pour bien démarrer. Eh ben, merci beaucoup. Oui, merci. Moi aussi, j'ai un mot de la fin. Je dirais Vas-y. le prochain apéro, on le fait à la mine. Ah, De la plus, c'est mieux. voilà. Bien joué. Bien joué. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait une très bonne idée. On a déjà, la prochaine sera à la grande coco, parce qu'on a une petite liste déjà Gros de succès. la grande coco. C'est un super lieu aussi qui se montre, je crois, dans le nord de C'est quoi, Paris. excuse-moi, j'ai Et pas le prochain, entendu? la grande coco, La c'est Grande un Coco. super lieu qui se monte dans le nord de Paris. D'accord. Et le prochain, on pourrait tout à fait le faire à la mine, ça serait super. Ouais. Ah, ouais, merci Morgane, c'est lancé. En tout cas, franchement, on te remercie sincèrement. Merci beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt. Allez, Salut. salut. Ciao. Transition urbaine, on est de retour. Donc, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, c'est l'avant-dernière partie avec les pépites de la mine. Alors là, les pépites de la mine, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle animation qui est mortelle. Elle a été lancée ou pas, Edgar? Ah bah ok, mortelle. Donc franchement là, si vous voyez là le niveau augmente de semaine en semaine, donc c'est vraiment de la balle. Donc là cette semaine, bah, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment lors de la précédente interview. N'hésitez pas si vous pouvez à aller dans le 18e arrondissement, métro Marcadet-Poissonnier au bar commun. Donc l'adresse vous allez la trouver sur internet. Allez à l'apéro de A plus c'est mieux. Donc c'est un collectif de tiers-lieux qui sont là pour réfléchir, se faciliter les choses, s'échanger les bonnes informations. Donc n'hésitez pas, c'est ce soir à partir de 18h, 18h, 18h30, n'hésitez pas à y aller. Sinon, aussi comme bon plan, il y a, et vous regardez sur internet, le Festival des Oasis. Donc après, moi, je fais un petit point sur ça parce que y a la démarche des tiers-lieux, mais il y a aussi la démarche des Oasis. Donc c'est une coopérative qui s'est lancée, qui a été incubée par les Colibris. Et en fait, eux vont encore plus loin dans notre démarche
que notre démarche de tiers-lieu. Ils sont carrément aussi sur des communautés de vie, en plus que simplement mettre en place des projets qui ont une utilité sociale, environnementale. Ils sont vraiment aussi sur une démarche aussi d'habitat, et ils travaillent aussi sur tout ce qui est énergie, tout ce qui est sur l'eau, sur l'habitat, sur la consommation, sur le vivre ensemble. Et c'est vraiment très intéressant. C'est dans le 78, dans un château. N'hésitez pas à aller sur les sites internet, taper sur les moteurs de recherche Festival des Oasis et vous aurez toutes les informations. Et enfin, avant de laisser la place à Stella, il y a aussi toujours le festival des possibles qui va achever sa dernière semaine de programmation. Il y a tout un tas de choses qui sont faites un petit peu partout en Île-de-France. Allez aussi sur les moteurs de recherche, Festival des possibles. Donc c'est en lien avec le mouvement des villes en transition, donc il doit y avoir quelque chose à côté de chez vous. Je ne vais pas lister toute l'actualité de l'Île-de-France, mais en tout cas c'est un bon plan que je vous donne. Et surtout, j'espère pour toutes celles et ceux qui ont suivi les différents épisodes, émissions de Transition Urbaine, que vous avez pu répondre à l'appel à projet de l'Arc de l'Innovation qui s'est achevé le 28 septembre dernier. Et donc, c'est une belle opportunité de rentrer dans un réseau aussi de porteurs de projets sympas et ambitieux, pour justement un changement de paradigme. Et c'était aussi une bourse de 8000 euros pour commencer son activité, ce qui n'est pas négligeable. Donc tout de suite, je laisse la place à ma chère Stella pour parler de l'actualité Culture du Cœur. Voilà, alors bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit aperçu de ce qu'on a. Alors pour les enfants, c'est un peu réduit. Mais je pense que la semaine, dans une semaine ou 15 jours, quand il y aura les vacances scolaires, j'aurai plus de choses à vous proposer. Là, pour l'instant, dans le 14e, il y a des ateliers. Alors, atelier d'histoire créative, atelier de dessin et BD et de sculpture. C'est à partir de 7 ans, donc ça peut être sympa pour les jeunes. Dans le 14e aussi, il y a un spectacle de théâtre de marionnettes qui s'appelle Le Vent Debout, à Arcueil, donc à Anigras, qui est un lieu très sympa. Juste à côté de la gare La Place. Juste à côté du RER La Place. Il y a des marionnettes, ça s'appelle Aqua Vitae, les aventures du petit loup de mer. Alors les enfants, voilà, c'est tout ce que j'ai. Pour le reste, dans le Val-de-Marne, à Arcueil, toujours à Anigras, Voyage d'un loup, c'est à partir de 15 ans, c'est un spectacle théâtral. Ensuite, il y a du théâtre, une pièce Euphrate. Sinon, à Ivry-sur-Seine, au théâtre Vitesse, il y a le festival La Voix est libre. C'est un festival concert. Ensuite, au théâtre El Duende, toujours à Ivry, il y a beaucoup de nouvelles pièces que j'ai pas pu lister pour l'instant, mais n'hésitez pas à venir me voir, on regardera ça ensemble si vous voulez bien. Sinon, on a pas mal de films, alors j'ai pris que ceux qui étaient sur le 94. Il y a Ténette, Antoinette dans les Cévennes, Éléonore, Les Apparences, Petit Pays, Daronne, Mon grand-père et moi, enfin pas mal de films qui sont sortis en 2020. Sinon, au niveau sportif, il y a deux matchs de foot à Créteil. C'est l'US Créteil Lusitano contre Bastia. Et l'autre, c'est l'US Créteil contre Quevilly-Rouen pour les sportifs. Voilà. Sinon, au théâtre Jean Villard à Vitry-sur-Seine, il y a un concert de Jeanne Haddad. C'est du... Oh, c'est chambé, ça. Ouais. Et il y avait Sanseverino, ouais. Les places sont parties très vite. Ok. Voilà, tout ce que j'avais pour le CG pour l'instant. Et on a un nouveau projet, si vous avez Facebook. On va essayer toutes les semaines de vous mettre un peu le programme en ligne.
Comme ça, vous pourrez le voir de chez vous et éventuellement venir à la mine pour réserver les places. Encore une fois, moi je me permets, merci beaucoup Stella, je complète ce que tu dis par rapport à quelques règles, on va dire, de vivre ensemble. C'est-à-dire que si vous venez nous voir pour pouvoir bénéficier donc de tous ces spectacles qui sont gratuits, donc on remercie bien sûr toutes ces salles et tout, il faut simplement, si vous vous inscrivez, avoir la décence de nous dire si vous pouvez pas y aller. Parce que en fait, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui prennent des places et qui peuvent pas y aller. Donc ça, c'est des places qui ne vont pas dans la base de données et qu'on peut pas après les redonner à d'autres personnes qui peut-être auraient pu y aller. C'est tout ce que je vais vous dire. Encore une fois, Culture du Cœur, c'est une association. Stella en a parlé au tout début de nos programmes, qui est ouverte vraiment à tous. C'est un accueil inconditionnel, quels que soient vos revenus. Et c'est pour permettre justement de découvrir d'autres pratiques artistiques, de pouvoir passer un moment agréable avec vos amis ou votre famille. Voilà, c'est totalement gratuit. Ou c'est aussi la possibilité pour des personnes qui se sentent seules de pouvoir inviter des personnes pour pouvoir être ensemble et passer un bon moment. Donc c'est vraiment un super projet. Mais s'il vous plaît, si vous prenez des places et que vous ne pouvez pas y aller, il faut le dire à Stella pour le Voilà, vous remettre dans pouvez la me base de données. contacter. Moi, je vous donne mon numéro personnel. Donc, vous pouvez même me contacter le dimanche, si c'est pour un spectacle de la semaine qui va suivre. Je suis disponible et j'aime autant que vous m'appeliez. Comme ça, moi, les places, je peux les remettre dans la base de données et elles peuvent bénéficier à C'est d'autres ça. personnes. Voilà. Et voilà, et encore une fois, je remercie le travail bénévole de Stella. Et c'est vraiment un engagement citoyen fort pour la culture pour tous. Donc, bah encore merci à toi, Stella, pour tout ça. C'est un plaisir. Voilà, cool. Merci. De rien. Transition urbaine, dernière partie. Je le rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, qui peuvent regarder l'émission depuis le début, s'ils le veulent, sur Facebook déjà dans un premier temps. Mais je rappelle que cette émission, c'est l'émission qui parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, la dernière partie, c'est transition urbaine, le projet. Parce que je le rappelle, je le rappellerai toutes les semaines. Transition urbaine, on s'est demandé à un moment donné qu'est-ce que ça pouvait signifier dans le monde réel, le matérialiser. Donc en fait, transition urbaine, ce qu'on souhaite, je ne sais pas si Edgar, tu vas faire l'animation sur le côté là pour dire ce que c'est ou pas. Bah ouais, je veux bien, ouais. Cool, tu me dis, ça... c'est bon, ça marche. Ouais, d'accord. Donc, transition urbaine, en fait, c'est un parcours de randonnée. C'est un parcours. Un parcours de randonnée. Un parcours de randonnée où il y aura des installations. Donc, ça, c'est le deuxième point. Des installations sonores pour parler de tout ce qui est transition, tiers-lieu, à travers des portraits de lieux, de porteurs de projets, de philosophes, de musiciens, de photographes, de tout. Toute personne qui a un avis un peu sur le sujet, et justement, on invitera lors de ce parcours les personnes à pouvoir bah, flâner et penser changement avec ce parcours. Et pour ce faire, là,
du 1er septembre, enfin je crois qu'on a commencé le 14 septembre, je ne sais plus exactement la date à laquelle on a commencé, jusque fin mai, on va être à la recherche en fait des bonnes personnes pour pouvoir monter ce projet, pour que après juin, juillet, août, pendant l'été, tout n'est pas encore vraiment défini, on va faire un petit tour de France des tiers-lieux à la rencontre des différentes personnes qu'on aura vues tout au long de l'année pour justement les interviewer, mais également aussi organiser des événements festifs parce que on part sur le principe qu'on est dans un échange et qu'on a envie de parler avec un maximum de monde. Donc par rapport à la convivialité, on souhaite aussi faire la fête parce que c'est quand même un vecteur puissant de cohésion, nous le pensons. Donc voilà pour le projet. Alors au niveau des actualités, là, je vous avoue que ça va être rapide parce qu'on est un peu toujours au même stade, c'est-à-dire que on a commencé le truc qui est un petit peu fastidieux à joindre les différentes collectivités pour avoir déjà des autorisations de pouvoir faire un tracé. Donc là, on a envoyé un message au parc, à ceux qui s'occupent des PNR, donc des parcs naturels régionaux sur l'Île-de-France. Et on a également aussi parlé avec la communauté de la Ferté-Gaucher qui s'occupe, qui a la coordination en fait du PNR en devenir Brie-les-Deux-Morins. Donc là pour l'instant on est dans des attentes de réponse de leur part. Donc c'est pour ça un peu que le projet commence un peu à ronronner parce que il faut déjà un peu débloquer cette phase administrative. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a déjà commencé à identifier des personnes. Et là, notamment, je parle à nos amis à qui je passe le bonjour de la Maison des Alternatives qui est vers Troyes, avec qui qu'on va suivre déjà régulièrement tout au long de l'année. Et on organisera des événements là-bas, pourquoi pas même un grand événement de clôture de toute cette campagne de transition urbaine. En fait, les choses sont à imaginer. Encore une fois, on est aussi à la recherche de personnes qualifiées pour nous aider sur la photographie, la régie, la logistique, sur savoir-faire des chemins de rando pour former notre communauté de l'anneau, comme on aime à l'appeler, pour pouvoir travailler sur ce projet. Alors, encore une fois, franchement, n'hésitez pas à venir vers nous, même si là, pour l'instant, ça paraît obscur. Franchement, vous allez voir qu'il y aura de la lumière bientôt et on va faire un super projet. Voilà, qu'on va construire tout au long de l'année. Donc, transition urbaine, c'est terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, il y aura aussi beaucoup d'invités, beaucoup de surprises. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!